Alléluia. Amen. Écris de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'encre sans dignon. Amen. Et chier les péchés. Amen. L'encre sans dignon. Amen. Et friser les mal. Amen. Alléluia. Rigier. Amen. Oh, c'est le silence. Amen. Alléluia. Rigier. S'arrêter, amen. Les lions à parler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette action vivante, c'est Dieu dans les hommes. Amen. La parole est dans l'ombre. Il déchire les péchés. Amen. Là, c'est la saisie Joseph. Amen. Il fuit les péchés. Amen. C'est la saisie Moïse, il créa des bouches. Amen. C'est la saisie Samson, il déchira le lion. Quand c'est la saisie David, il revêt sa Goliath. Quand c'est la saisie Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est la saisie Jésus. Amen. Ressuscite à Lazare. Quand c'est la saisie Branham. Je salue chacun de vous particulièrement au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire une portion de l'Écriture. Dans le livre des Juges, au chapitre 16, versets 4 à 21. Est-ce que vous y êtes, Église? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Mikolo na ba Filistai ba koma ki epa na Delila pe balobela ki ete kosa ye pe tala sokotina na nguya na ye ezali nini
Bena mayele nini tokokoka koleka ye pe kokanga ye pona koleka ye bongo moto na biso akopesa yo bapalata koto na mokama moko. Delila dit à Samson, dis-moi je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Delila lobela ki Samson a été na bondeli yo lobela ngai tina na nguya na yo pe na lolenge nini koki kokanga ma ete moto a koka koleka yo. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Samson a le bela qui été soko ba kokangangai na kamba na litimbo sambo na mobesu oyo esili kokaukate nde na kozala mutau pe na kozala lokola mibali mosusu. Les princes des Philistins apportèrent à Delila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle le lia avec ses cordes. Bongo mikolo na ba Philistia bayaki na kamba na litimbo sambo na mobesu oyo ekauka kite na Delila pe akangaki ye na yango. Or des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre et elle cria, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson rompit les cordes comme se rend un cordon d'étoupe quand il sent le feu et l'on ne connut point d'où venait sa force. Yende asilaki koti abato kozila na eteni na kati pe alobelaki ete ba Philistia bazali na likolo na yo Samsona kati ye abukaki kamba na litimbo lokola busi wana ekomi yango na moto bongo tina na nguya na ye eyebanaki te. Delila dit à Samson, voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Dalila lobela ki Samson a été tala o sekinga pe o bukelinga lokuta bongo na bondeli yo lobela ngai lolenge na kokanga yo. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Alobela ki ye été soko bakokanga ngai na kamba na sika oyo isali mosalate nde na kozala mutau pe na kozala lokola mobali mosusu. Delila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi Samson. Or de gens se tenaient en embuscade dans une chambre, il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Bongo Delila akamataki kamba na sika pe akangaki ye na yango pe alobelaki ete ba Filistia bazali likolo na yo Samsona pe mibali bazalaki kozila bazalaki na eteni na kati kasi ye abukaki kamba na maboko na ye lokola busi. Delila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit de mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Delila alobelaki Samson a été kino sikawa osekinga pe obukelinga ilokuta lobelanga lolenge na kokanga yo. Alobelaki ete soko kokanga matongi sambo na suki na ngai na kati na elamba ezali na kotonga pe soko okotisi mwa nzete na yango na kokoma motau na kozala lokola mobali mosusu. Et elle le fixa par la cheville, puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du tissu et le tissu. Bongo, wana ilala ki ye, pongi, Delila, akamata ki matongi sambo na tsuki na ye pe, atonga ki yango na kati na ilamba pe, aganga ki yango na, akanga ki yango na mwa ndete na yango. Pe alobelaki ete ba Filistia bazali likolo na yo Samsona
ye alongwaki na pongi pe alongolaki mwa nzete pe etongelo pe elamba. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Alobelaki ete okoki koloba ete olingi ngai boni ah motema na yo ezali na ngai longote oseki ngai mbala misato oyo pe olobeli ngai te tina na nguya monene na yo. Dieu notre Père céleste, Nzambe tata na biso na likolo, nous avons lu les Écritures. Totangi makomi, c'est peut-être parce que nous avons été à l'école. Pambate tang mususu tokota kelasi. Nous avons ouvert nos Bibles parce que nous en avons la force physique. Tofongoli Biblia po makasi ya nzoto ya li. Mais le contexte, kasitina, cela ne peut venir que de toi. Ekoki ko uta kaka na yo. C'est pourquoi Éternel notre Dieu, yangwana Yahweh Nzambe na biso, nous te laissons la première place. Totikelo esika liboso. Parle à ton peuple. Lobela libota na yo. Que l'esprit qui était sur le prophète, quand il a prêché ce message, descende sur nous, Seigneur. Nous avons besoin de l'esprit du lion, de l'onction du lion. Pour que la parole de Dieu soit prêchée sans compromis. Pour le salut des âmes. Car nous venons ici, Père. Pas comme dans un club amical. Mais nous venons pour nous parfaire et accoucher de l'enfant Jésus. De sorte que le monde qui attend de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu puisse nous voir nous être manifestés. Parce que c'est nous qui sommes fils et filles de Dieu. Bénis cette réunion, Seigneur. Sois avec nous du début à la fin. Parle au cœur de tes enfants pour leur salut. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à jamais. Et la délivrance accordée à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimé. Pendant que je continue la lecture. Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Bongo asololaki na ye na motema na ye nyonso. Pia lobelaki ete mbala moko te lozwalo ekomi na moto na ngai po ete nga nazali monasili epai na Nzambe longwa na libumu na mama na ngai. Soko suki na ngai ekokolami, nde nguya na ngai ekotika ngai pe nakozala motau pe lokola mobali mosusu. Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et mon ami Delila était à ce moment-là qui n'a rien à monter, mais n'a rien eu son. Attendant que combien de micolos n'a pas Philistins et puis à le bel qui était. Buta po butambala oyo po ete alobelinga motema na ye nyonso bongo mikolo na bafilistia babutaki epai na ye pe bayaki na mosolo yango na maboko na bango. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force.
alalisaki epongi na bibelo na ye mpe abiangaki mobali ete akokola matungisambo na suki na moto na ye. Bongo abandaki kotungisa ye mpe nguya na ye, abandaki kobondela-bondela ye mpe nguya na ye etikaki ye. Elle dit alors, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ba Filistia bazali likolo na yo Samsona. Alongwaki na pongi pe alobaki ete na kobima pela moko na mbala mosusu pe na kolongwa na bango. Kasi ayebaki te ete Yawe atikaki ye. Les Philistins le saisirent. Ils lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Le lièrent avec des chaînes d'airain et ils tournaient la meule dans la prison. Ba Filistia basimbaki ye pe babomaki miso na ye pe batikaki ye epai na Gaza pe bakangaki ye na minyololo na motako. Abandaki kobongola libanga na kofina fufu na boloko. Pendant que je lisais, wana nazalaki kotanga, je sentais les réactions dans la salle. Nabandaki koyoka ndenge bato bazali komiyoka kati na losambo. Les gens sont désolés. Bato bayoki mawa mingi. Comment Samson ndenge nini Samsona pouvait en arriver là? Akoma kino wana. Comment cette dame Delila ndenge nini mwasi o Delila séduisait Samson? Ata kozimbisa kopengusa Samsona. Samson qui était un homme de Dieu. Samsona mubali na nzambe. Mais il a été séduit par Delila. Et c'est sur ça que je parle ce matin. Une église séduite par le monde. L'histoire de Samson ressemble beaucoup à l'histoire de l'église. Samson avait bien commencé. Il gardait son vœu de Naziréa. Le rasoir n'était pas passé sur sa tête. Et Dieu était avec lui. Il était fort. Il était puissant. Parce qu'il gardait le vœu. Avec sa longue chevelure. En sept tresses. Samson faisait trembler les Philistins. Samson a banaki kolengi sa ba Philistia. Remarquez que Samson est le type de l'église. Samson ali etali selina ecclesia. C'est pourquoi il avait une longue chevelure. Yango alaki na suki milai. Il ne devrait pas couper ses cheveux. Et tinda makite akata suki na ye. Vous êtes avec moi église. Ecclesia bozo longo na ngai. Et le prophète dit, aujourd'hui, nos sœurs sont l'image de l'église. Samson était l'image de l'église. Il avait des longues chevelures. Il ne devrait pas les couper. Aujourd'hui, nos sœurs, vous êtes l'image de l'église. C'est pourquoi sœur, vous ne devez pas couper vos cheveux. Sous aucun prétexte. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh frère, Basili, Bakotinga na mutu. Oh, mes frères, il y a beaucoup de poux qui me sont entrés sur la tête. Et Talio? Mais ça te regarde? Les cheveux, tu ne vas pas les couper. Basuki okokata ngote. Oh, maman a bisou à Koufi. Tu vois, ma mère vient de mourir. Ce qui n'a qu'à te souquitter. Si je ne me rase pas. Bakolobakeo et Zandengai. Mais on dira que c'est moi qui l'ai bouffé. Ma soeur. De quoi moi aussi. Sous aucun prétexte. N'est-ce pas qu'il m'attend à mon côté.
Oh, ils ont à l'université, tu vois, c'est à l'université, on est en train de bléhir et on est en train de raser les gens. Le pasteur Kalumbu l'a dit le dimanche passé. Pasteur Kalumbu l'a dit le dimanche passé. Oh pasteur, qu'est-ce que je peux couper les cheveux à l'école, on a dit. Oh pasteur Balobi, na kela si tukata suki. Fille du diable. Moi na moi si a diabolo. Vous avez la parole. Ozana liloba. La parole dit ne coupez pas vos cheveux. Liloba lobi ko kata suki na yote. Pourquoi vous allez poser la question pasteur? Moi na lio ko tuna pasteur mutuna. Pour que le pasteur fasse quoi? Oh pasteur asala nini. Le pasteur n'est pas au-dessus de la parole. Pasteur azali kola liloba. Le pasteur doit être soumis à la parole. Pasteur akotosa liloba. Pourquoi vous allez tenter le pasteur? Moi na nino ke ko senginya pasteur. Alors que vous avez la parole écrite. Na tango ozana liloba ikomami. Le frère Branham me dit. Ndeko Branham alobi. C'est une femme coupe ses cheveux. C'est un motif de répudiation. Je vais entendre un amen. C'est la parole de Dieu. Un motif de répudiation. C'est parce que vous ne devez pas couper vos cheveux. Vous êtes l'image de l'église. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous devez veiller à ce que vos cheveux ne se coupent pas. Samson, image de l'église. Samson a étalé sur une église. Avec ses cheveux qui ne devraient pas couper. Et les dames aujourd'hui, vous êtes l'image de l'assemblée chrétienne de Rigini. Nous ne parlons pas de l'église en général. Mais nous parlons de nous ici à Rigini. Mais mes sœurs, que faites-vous avec vos cheveux? Vous les défrisez. Alors que cela détruit les cheveux. Vous le savez. Vous le savez. C'est même prouvé scientifiquement. Quand vous les défrisez, ça va se couper. Et vous le savez. Mais pourquoi vous défrisez vos cheveux? Et vous ajoutez des mèches trop longues. Sa pente derrière. C'est tellement long. Vous commencez à les lier comme ça avec des cordes. Alors que vous savez très bien. Quand ça descend derrière vous. Ça détruit la cuir chevelure. Et picolama. Ce n'est pas possible. Et elle a raté. Un jour, une femme, une jeune fille est venue tresser ma femme les cheveux. On devrait aller aux États-Unis. Et États-Unis. Et on a commencé à la lier. À la tresser. C'était vers 16h. Je suis sorti. Je rentre à 21h. Bazo kangayekarasuki. On est en train de la tresser toujours. Et j'ai arrangé et fait la valise. On l'a tressé toujours. Je suis allé m'endormir. Je me réveille à 6h du matin. Je me suis levé à 6h le matin. On continue à la tresser. Mais ce n'est pas possible. Mais quelle sorte de tresse qu'on commence depuis 16h jusqu'à 6h du matin? Enlève-moi ces choses-là. Allez, picola, enlève-moi ces choses-là. Ça pend derrière. Et ont dit, la nasima. C'est trop long. Et baniko benda suki. Et baniko picola suki. Et suki baniko katana. Il y a les cheveux qui se coupent déjà. Vous savez ce que je dis. Oui, on a le dit. Vous le savez. Oui, bien, on. Mais vous le faites toujours. Pour être en contradiction avec la parole. Je veux que vous me compreniez très bien. Pour que vous ne me fassiez pas dire ce que je ne suis pas en train de dire. Comprenez-moi très bien.
Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas contre les mèches. La télé m'a mèche était. Bien qu'il y en a qui sont de plastique, il y en a qui sont les cheveux des morts. Je n'ai rien contre ça. Ma mèche en gros, mon souci à plastique. Le frère Branham me dit, quand une chose vous fait défaut, vous manquez quelque chose. Si vous manquez quelque chose, ajoutez. Et nous disons amen. Amen. C'est le prophète. Le prophète lui-même. Il le faisait. Il avait une perruque. Parce qu'il n'avait pas de cheveux ici. Et sa voix s'enrouait. Pour empêcher cela, il mettait une postiche, il mettait une perruque. Mais quand vous le regardez, il était toujours le même William Marion Branham. Sa physionomie ne changeait pas. Vous aussi. Binobe. Arrangez vos cheveux comme vous voulez. Bongisa suki na yondenge olingi. C'est le prophète. Mosta kolinde alobi. Nous croyons cela. Tondi makayango. Notre pasteur croit ça comme ça. Be mokengeli na biso andimi yango bongo. Arrangez vos cheveux comme vous voulez. Bongisa suki na yondenge olingi. Avec ou sans mèche, je m'en fous. Peu importe. Tina ezate. Mais ayez l'apparence naturelle. Ata bongo. Toye bayotoza mutu. Gardez votre identité. Batela lo lenge na yo. Soyez africaine. Tikala mwana Afrika. Soyez congolaise. Tikala mwana Congo. Quelle est cette congolaise qui a les cheveux qui dépassent la hanche? Mwana Congo nani amwasi bomone na sukele ka loketo. C'est ça imiter le monde. Tala komekola mokili yango te. C'est ça. Yango. Arrangez comme vous voulez. Mais n'imitez pas le monde. Restez naturel. Restez congolaise. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut dire amen à la parole. Quand vous dites amen, c'est que vous croyez. Alors vivez cela. Vous êtes le reflet de l'assemblée chrétienne de Rigini. C'est dur. Mais c'est la parole. Bokomi koyo kisabiso soni. Mes sœurs bien-aimées. La façon dont vous arrangez vos cheveux. Lolenge bozo kanga basuki na bino. Ce n'est pas ce que Beka avait dit. Yango te Beka lobaki. Beka avait répété la citation de frère Branham. Beka zongela ki elobelandeko Branham. Arrangez comme vous voulez. Bongisa suki ndeko lingi. Mais n'imitez pas le monde. Kasi komeko la mokilite. Lelo ekeboye lobe joni boye ekena sima ekeiboye. Ozo lukanini. Mais vous prenez toutes les positions. Qu'est-ce que vous cherchez? La façon dont vous vous habillez aujourd'hui. Lolenge bozolata lelo yo. Je ne sais pas comment on peut encore prêcher. Pour que vous puissiez changer. Le frère Branham me dit, ça fait 33 ans que je crie toujours sur les femmes. Ne coupez pas vos cheveux. Non. Les femmes continuent à couper les cheveux. Nous crions ici. Vous continuez à couper les cheveux. Par des mèches et des défrisages. Mais c'est de Dieu. Les filles de mon père. Pas les ramassis. Les filles de mon père. Bango ba yo kaka. Elle écoute. Peba bongwanaka. Et elle s'y conforme. Le frère Branham me dit. Neko Branham alobi. S'il a pris ce texte. So ki azwaki makomio yo. Sur Samson. Nicolas Samson. C'est pour corriger l'église. Alipona ko sembo l'église.
C'est la parole qui doit corriger l'église. Écoutez le frère Branham. Au paragraphe 3. J'ai pensé prendre ce texte pour corriger l'église. Et j'aimerais parler sur le sujet suivant. Une église séduite par le monde. C'est pour corriger l'église. Toya ka mozikite. Nous venons pas ici dans un monde. Nous venons pour aller au ciel. Ce n'est pas parce que vous êtes amis à racheter que vous irez au ciel. Parce que le pasteur connaît votre nom que vous irez au ciel. Mais c'est quand vous obéissez à la parole. Si vous n'obéissez pas à la parole. Si racheter n'obéit pas à la parole. Je peux crier comme je veux. Je n'entrerai pas au ciel. Et Samson avec ses cheveux en 7 tresses. En anglais c'est le locks. En anglais c'est le lot. Il avait 7 locks, 7 sauts sur sa tête. Mais remarquez, Samson, avec les 7 sauts, scellés et kangama, non ouverts, et fungamate, à Nyokola ba Philistin. Mais il a fait souffrir les Philistins. Il était puissant et fort. Samson type de l'église. Samson est allé sur une église. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il pouvait détruire les Philistins. Il pouvait faire des ravages. Avec une grande force et puissance. Mais quand les choses seront révélées. Quand les sceaux seront brisés, les sept sceaux qui étaient sur la tête de Samson, quand ça sera brisé, qu'est-ce que Samson ne fera-t-il pas? Il tuera plus que ce qu'il a tué quand les sceaux étaient encore scellés. Oh, Église, qu'est-ce que vous ne ferez pas avec la révélation de cette sceau? L'ouverture de la parole. L'ange puissant est descendu. Avec le livre ouvert. Nous avons la parole. Dans sa plénitude. Tout ce qui avait été laissé en suspense, Dieu nous l'a révélé aujourd'hui. Nous n'avons plus de secret. Nous avons la plénitude de la parole. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Devant Delila. Devant les Philistins. Avec la puissance que nous avons. Oh Samson. Delila t'a séduit. Delila à Pengusio. Assemblée chrétienne de Rigini. L'Osama ba Christo à Rigini. Dieu était avec nous. Nzambe alaki na biso. Nous avions l'amour au milieu de nous. To alaki na bolingo kat na biso. Nous avions le respect mutuel au milieu de nous. To banaki ko memia na kat na biso. On s'aimait tellement. Bolingo le kaki biso makasi. On ne pouvait pas parler en mal d'un frère ou d'une sœur. Pourquoi ko tonga ndeko mwasi ndeko mbali te? Quand il y a tant un problème concernant ton frère, tu vas prier. Tu veux l'arracher de la mort. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive? Quand tu écoutes un problème concernant les frères. Hein? Nouvelle brochure. Et tu sors une nouvelle brochure. Prêché en 2013. Oui, tu en 2013. Oui, bien. Tu sais, Balobi, hein. On a dit, hein. Est-ce que tu n'as pas entendu? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Mais nous avions l'amour. Et le respect. Que le Dieu du ciel était descendu ici. Il s'est même laissé photographier. Batiki bakangaye photo. Une colonne de feu authentique. Likonzi ya moto oya tembete ya solo.
Et on nous a appelé Rigini des anges. Et le réveil est parti de l'assemblée chrétienne de Rigini jusque partout dans le monde. Nous étions forts. Nous étions puissants. On parlait de nous. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé aujourd'hui? Samson a commencé à flirter avec le monde. Samson a abandi kimakango na mokili. Et l'église s'est terriblement affaiblie. Pe ecclesia e komi na bolembu makasi. Paragraphe 7. Vela makomi sambo. Ainsi, Nabongo, Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Samson ali kotali sana lolenge a polele ecclesia lelo. Lorsque l'église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'église. Car l'église marchait diligemment selon les commandements du Seigneur. L'église observait toutes les ordonnances et les lois. Et l'église mettait en pratique tous les commandements. Et Dieu était avec l'église. Mais l'église a l'air de s'être terriblement affaiblie. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. C'est le paragraphe 8. Nous sommes sur un champ de bataille. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Est-ce que l'église a besoin de moi? Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Qu'alors le problème est réglé pour toujours. Et parce qu'ils sont chrétiens, bon, tout ira comme sur des roulettes. Non. C'est pour combattre. Combattre le bon combat de la foi. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Est-ce que vous êtes dans l'église? C'est pour combattre le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Ce n'est pas pour rester à la maison. C'est pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens. Il nous faut être formés et instruits. Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier et comment livrer le combat. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Il dit ceci. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révèle. Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations nous disent. Lorsque nous allons à la guerre, prendre certaines des idées dénominationnelles, mais nous devons prendre nos propres idées. La façon dont le Saint-Esprit nous dirigera et les idées que lui nous donnera, car il est le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Est-ce que l'église a besoin de moi? Je sais qu'aujourd'hui ce n'est pas agréable. Vendredi, nous étions tous debout. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Non, ne sautons pas trop haut. Descendons un peu. Nous sommes dans l'école de guerre royale de Jésus-Christ. Formés pour être des commandos suicides. Tolakisami
potodala ba komando ba kenda kaka na liwa pour mourir avec nos ennemis. Samson avait dit que je meurs avec les ennemis. Samson alobaki na kufa na banguna na ngai. Parce qu'il était dans Fasir. Pote alaki yo babengi Fasir. Les forces armées célestes d'intervention rapide. Basoda ya lola oyo bakendaka na bitumba na lombango. Mourir avec ses ennemis. Kokufa na banguna na ye. Samson qui avait bien commencé. Samson a bandaki malamu. Mais il a faibli. Et il a été séduit par le monde. Oh, assemblée chrétienne de Rigini. Oh, le Samba ba Christ à Rigini. Vous qui étiez Rigini des anges. Vous avez commencé à flirter avec le monde. Des critiques sont entrées dans l'église. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que la lobby solo? C'est triste. Ali mawa. Nous qui avions l'amour. Bisoto alaki na bolingo. Si un frère de votre avenue, tu ne l'as pas vu. Soki ndeko bofana raveni moko mukolo na moni eti. Tu vas le chercher. Okende kotala ye. Moté mezo beta. Avec un cœur qui bondit là. Je me souviens. Nazo kanta. Quand j'allais à Mbandaka pour les études. Tanga nakende kotanga na Mbandaka. Je me suis levé dans l'avion pour aller derrière. En passant, j'ai vu quelqu'un avec une brochure. Bien-aimé. Je me suis arrêté, j'ai dit bien-aimé. Tozuib adresse. Et nous sommes échangés. Ça, c'est mon frère. Mais aujourd'hui, même si nous voyons quelqu'un avec la brochure, ça ne nous dit rien. Même si l'autre pris dans l'autre côté. Tu te dis que non, attends, dans la brochure, assemble la côté. Il ne prie pas ensemble avec nous. Où est l'amour? Les critiques sont entrées au milieu de nous. Les fidèles commencent à parler même de ce qui concerne les serviteurs de Dieu. Bandimi, bakomi kokota koloba makambo etali basali na Nzambe. Des choses qui ne vous concernent pas. Makambo etali binote. Donnez le témoignage de ce que Dieu a fait pour vous. Ça, pesali tatori na oyo Nzambe asali bona yo. Mais vous parlez. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez même pas. Mais vous en parlez. Vous amenez ça à droite et à gauche. Qu'est-ce qui nous est arrivé à ces airs? Des clans se sont formés. Les groupes de Mongaliema. Oh. Et Tonga Mongalema. Le groupe de Rigini. Oh oh, et Tonga Rigini. Le groupe de Limete. Oh, et Tonga Limete. Les clans dans la parole. Bitonga bikolo katna liloba. Honte à vous. Soni nabino. Honte à vous. Soni nabino. Même la jalousie entre dans l'église. Ata zua. Zua et koti katna eklesia. Oh, assemblée chrétienne de Rigini. Oh, le samba Christ à Rigini. Mais vous êtes séduit par le monde. Moi qui le pengu ici bino. La jalousie. Zoua benda. Mais réjouissez-vous quand votre frère est béni. Mais c'est bel attendre de gola pambolami. Quand votre soeur est béni. Tango de gola moi c'est pambolami. C'est à votre avantage. Et d'abord à bolamou na yo. Mais pourquoi la jalousie? Bonanini zoua. Là où il y a la jalousie, le diable entre et la mort entre. Et pas Izoua Zali, Satan a kota kapeli ou kota kam. Honte à nous. Soni nabiso. Père, je pense. Qu'il y a vraiment une maladie qu'il faut extirper. La jalousie. Zoua. Le pasteur Lando a dit ici le dimanche. Mo, kengeli lando le bac. Que l'esprit de poison est entré même ici à Rigini. Mo, kolo na yenga wete. Mo, limo ba poison kote ato na Rigini. Quelle honte. Soni aboye. À moins qu'il se soit trompé. Le bac a mis quoi ça? Mais s'il l'a dit. Mais ce qu'a le bac yango. Un pasteur. Pasteur, hein. Il sait ce qu'il dit. Il reçoit les gens au bureau. Quelle honte pour l'assemblée de Rigini. Poison. Poison, Benza. Naoka ki mawa pour la batouba ki mbala liboso.
Mais j'étais vraiment attristé. Nous qui étions réunis des anges. Là où il y a l'amour et la parole. Et pas bolingo peli lo bayali. Mais on veut commencer à s'empoisonner. Mais to bani ko pesa na ba poison. Que Dieu ait pitié de nous. Tika nzamba ke la biso mawa. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Mais bitte soki bozo mona likambo yo. C'est l'église du Dieu vivant. Et l'église de nzamba na bomoi. Honte à nous. Soni na biso. Nous devions seulement nous mettre à pleurer. Des disputes. Des sœurs. Bandeko basi. Babunda kakara awa awa. Et l'église. Ils se battent là devant l'église. Toujours. Banani ba yebiya bato manami sa. Ah, voilà les gens. Des sœurs ici à Rigini. Awa, babimi kakara babani ko bunda. Akanye la bilamba. Eh, yokanisi nini? Eh, mobali nangaye, tika mobali nangaye. Ici à Rigini. Awa, pendant à Rigini, les sœurs qui sortent à peine de l'église et qui commencent à se battre pour se disputer Marie. Rigini des anges. Ah, Rigini abanjelu. Honte à nous. Soni nabisu. Le mensonge. Lokuta a élu domicile ici chez nous. Et les gens mentent à l'aise. Et il sait bien qu'il vient de mentir et il reste calme. Il ne se répand même pas. Ce n'est pas possible. Et raté. Où est-ce que nous allons? Et comme ça, nous continuons toujours à venir ici. Que crier Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Non. T'es? Non, non. Tété. Nous devons changer. La médisance est entrée dans l'église. C'est Samson qui est séduit par le monde. Assemblée chrétienne de Rigini. Où est passé l'Esprit de Dieu? Nous qui étions craints. Les gens avaient peur d'entrer ici. Les anciens le savent. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Nous ne sommes plus que des formalistes. Nous vivons de la vieille gloire de 93. Mais où est le Dieu de Rigini des années 93? Je veux encore le voir aujourd'hui. Je veux le voir aujourd'hui. Batumingi bandimi après 93. Il y a beaucoup de gens qui ont crié après 93. Bazoyo kakaka sango. Et ils suivent seulement des informations. Mais ils veulent voir le Dieu de Rigini. Kasi balingi ba mona nzambo ya Rigini. Les vases ne sont même plus consacrés. Ba mbeki ba miburi sali susute. Au lieu de prier, Netika ko sambela. Même les vases se mettent à parler de choses, à critiquer, à rapporter. Ata ba mbeki ba komiko lo ba makambo ko tonga ko mema makambo. En faisant des commentaires sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Oh Église. Oh Ecclesia. Ne craignez pas les agitations spirituelles. Oh, Nakoloba. Je vais commencer à citer des noms. Diablo, kanga munopi. Ah, Diablo, tais-toi. Pasteur Mosem na lobakia nakoloba nakotanga kombo une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, otanga kakaka ba kombo. Le pasteur Mosem avait bien dit ici. Je vais parler, je vais dénoncer une année, deux, trois, otanga tu ne dis jamais ce nom. Non, ce sont des agitations spirituelles. Nous voulons voir un Dieu réel. Tolidoma na nzambo ya solo. Les messages ne doivent pas être du terrorisme. Sango oyuti nanzambe tate yakobangi sapobu mabato. Dis-nous qu'est-ce que Dieu a dit? Lobela bisoni nzambe alobi. Ce n'est pas ce qu'il cambo, c'est ça l'ami. Ce n'est pas après un effet. Oh moi Dieu m'avait montré ça. Oh ngai nzambe tate sanga yango. Kanga munokona yo di. Ferme ta bouche. Donnez-nous le message avant que la chose n'arrive. Et quand la chose arrive, nous nous agenouillons, nous glorifions le Seigneur. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous avons le message. Le livre est ouvert. Les sorts ont été brisés.
efungwami. Oh, alléluia, 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 alléluia. Bravo, Nadi. Ah, assois-toi. Même si quelqu'un donne un message, attends, ce qui m'a petit sang sous l'onction, n'aie pas colami. Ne dites jamais amen. Kolobaka amen te. C'est ainsi dit Branham. Yango Branham aloba. Ne dites pas amen. Koloba amen te. Ata baluki na mabele. Même si il roule, ne dites pas amen. Koloba amen te. Tika ya pesa message na ye. Laissez-lui sortir son message. Nous allons attendre le jugement. Bisto tokozela esambisama. Même si on a jugé. Ata peba sambisi. Ne dites pas amen. Koloba amen te. Mutwa bangi sa moninga te. Qu'on ne fraye personne ici. Nous sommes tous enfants de Branham. Quand la chose s'accomplit, tango likambo ekokisami, alors nous disons amen. Wana tokoloba amen. Dieu est au milieu de nous. Zambe alika tabiso. Pas du terrorisme spirituel. Kobangi sabato na molimo ate. Est-ce que je peux entendre un amen? Akoyoka amen. Mais la souillure est entrée dans l'église. Nous sommes séduits. Des choses ignobles. Makambo ya soni. Se passe dans l'église. Oh, ACR séduite par le monde. Oh, ACR et pengusami na mokili. Nous sommes devenus comme un club d'amis. Samson s'en était tiré trois fois. Samson a abimaki mbala misato. Quand l'église catholique s'est organisée, tango lingomba ba katoliko ba komaki ebongiseli, avec la vente des indulgences, ba komiko teka bolimbisami ya masumu, le culte à Marie, kosambela Maria, le culte au saint, etc., kosambela basatu bongo na bongo, Delila a crié, Dalila gangaki, Samson, Samson a, les Philistins sont sur toi, dalba Philistins ba yei, et Samson s'est levé d'un bond, pe Samson a kumbomba na moko, il a brisé les chaînes, abuki minyololo. Et Luther est sorti. Mais Luther abimaki. Avec la justification. Na kolongi sama. Que nous sommes sauvés par la grâce. Et te tobiki nangolo. Ça ne dépend pas de vos pénitences. Et tali bitumbu na yo ya losambote. Mais après. Kasi na sima. Le prophète dit 3 ans seulement. Mosa kola lobi mbula misato kaka. Dénomination. Et bongise le koti. Mais nous ça fait combien d'années? Kasi biso tali bambula boni. Combien d'années? Bambula boni. Nous ne sommes pas une dénomination. Toza e bongise lité. Toi, tu peux devenir une dénomination. Mais ici, à la chair, cette église ne sera jamais une dénomination. Nous prêcherons librement le message de Branham. Et c'est la continuité. Il n'y a pas de contradiction ici. Il n'y a pas d'opposition. Ici, c'est la complémentarité. Parce que nous avons le même message. Mais 3 ans, dénomination. L'église s'est encore organisée. Il a eu des érudits pour prêcher la parole. Et le péché a commencé à s'infiltrer. Deli l'a encore crié. Samson, les Philistins sont sur toi. Samson a ba Philistins ba yeli. Il s'est encore levé pour la deuxième fois. A telem lisumba la mibale. Il a brisé les liens. A buki minyololo. Et Wesley est sorti avec la sanctification. Pe Wesley abimaki na kosatisama. Il dit luthérien. Abi batna luther. Nous sommes sauvés par la grâce. Solo to biki na ngolum. Mais nous devons être saints. Kate tenito za la ba sainte. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était le message de Wesley. Mais là encore, l'église a abandonné la parole. Elle s'est donnée à construire des écoles. À construire des hôpitaux. Quand leur mère, Maman Kato. La mission de l'église, ce n'est pas de construire les hôpitaux et les écoles. Ça, c'est le problème du gouvernement. La mission de l'église, c'est Marc 16. Est-ce que je peux entendre un amen là-dedans? Mais ils construisent des hôpitaux. Parce qu'ils réunissent Marc 16. Ils n'ont pas la force d'imposer la main sur un malade.
une sœur est entrée ici vendredi avec un enfant mort. Et quand il est sorti ici, l'enfant a commencé à respirer. Le vendredi. Alléluia. Alléluia. La puissance de la résurrection. Quoi? On lui a dit à l'hôpital que l'enfant est mort. Vendredi, vendredi. On lui a dit amène l'enfant à la morgue. Il dit non, aujourd'hui il y a prière. Je vais à l'église. La quelle église? Et elle est venue ici. Paka et Chuchu. Et frère Botengue. Et frère Botengue. Ils lui ont imposé les mains. Ils lui ont dit de rentrer. La sœur a dit non. Le Dieu qu'on va prêcher aujourd'hui. Qu'on va prêcher. Toi faire quelque chose pour mon enfant. Elle avait une forte foi. Et pourtant c'était le jour de l'enfant. Tellement qu'elle avait la foi. Dieu lui a fait un clin d'œil. Elle est entrée ici. Pendant que je prêchais. Sûr. Que votre cœur ne se trouble point. Cet enfant est revenu à la vie. Moi, non, c'est quoi qui? Gloire à Dieu. Mais le frère Branham a dit, Dieu peut vous redonner la vie maintenant. Il peut vous guérir maintenant. Et demain, vous mourrez. Mais Dieu veut seulement vous faire voir qu'il était présent. Oh, que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Hosanna. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ils ont sorti la guérison de l'église. Ils ont construit les hôpitaux. Ils ont oublié même l'appel à l'autel. C'est Delila qui avait encore lié une fois de plus Samson. Quand elle a crié, les Philistins sont sur toi, Samson. Samson s'est levé pour la troisième fois. Samson a tellement et a brisé les liens. Les Pentecôtistes sont sortis. Là, c'était la restitution des dons. La guérison divine. Les gens parlaient en langue. Les gens titubaient en esprit. Samson. Samson s'est contenté des dons. Au lieu du donateur. Samson a oublié la parole. Samson a bossané l'iloba. Nous parlons en langue. Ah, nous allons bakota na sika. Il y a des guérisons au milieu de nous. Et le diable a commencé à s'infiltrer. Alors que c'est le donateur qu'il faut entretenir et non les dons. Mais lui a gardé les dons et a négligé les donateurs. La parole. L'iloba. Et ils ont commencé à prêcher un évangile taillé sur mesure. Le frère là, il donne un peu beaucoup d'argent à l'église. On ne touche pas au péché. Ba maman moziki 100 kilos na 4 églises. Ba donateur. Ba ngonde ba sungi. Alors, ate ba kati sou ki pasteur a relobé l'autre côté. Même si cette femme-là se coupe les cheveux. Le pasteur n'en dira rien. Sinon, t'es un bon kokende. Mais ceux qui t'ont l'argent vont s'enfuir. À ta frère, on a bu qui m'a bé, on ne dit rien. Même si ses frères vivent mal. Bakolobelo côté. Pas à mon conti. Mais parce qu'il est un chef. Pas à la mbongo. Et il a beaucoup d'argent. Pas ici. Awa te ou? Pas ici. Awa te. Ici. Awa. C'est la parole. Kaka liloba. La parole. Liloba. La parole. Liloba. Ce qui est coquilloté, porte les alliés pour l'élé. Ce qui est coquilloté, bimi. Tokobon de la yote. On ne va pas te dorloter. Nous avons besoin de fils et de filles de Dieu. Les gens qui font honneur à la parole.
Et ces choses sont entrées dans l'église. Alors on a crié, Samson, les Philistins sont sur toi. Ils pensaient s'en tirer comme autrefois. Alors que Dieu l'avait déjà quitté. Et on l'a arrêté. On lui a troué les yeux. Pour qu'il ne puisse plus voir la vérité. Même si on prêche comment, toi tu ne changes jamais. C'est comme l'eau versée sur le dos d'un canard. Oh, ACR. Oh, ACR. Faisons le bilan. Totanga misala. Aujourd'hui, faisons le bilan. Où est-ce que nous en sommes? Tokoni wab. Rigini des anges. Rigini abangelou. Dieu nous avait dit. Que ça, c'est son église. Et Oyo, et l'église naie. Et il avait posé la question. Est-ce que vous serez capable de supporter ma présence? Est-ce que Bokoko kakoi kapiko bosalinangai? Les anciens le savent. Et mais la présence de Dieu, c'est la purification. Mais bosalinanzambe, et ali bopeto. C'est la sainteté. Oh Samson, type de l'église. Oh Samson. Type de l'église. Et t'as une église. Nos sœurs, l'image de Rigini. Alors regardons à nos sœurs. Pour connaître où Rigini en est aujourd'hui. Sommes-nous séduits par le monde assemblée chrétienne de Rigini? Oui, monsieur, oui, madame. Quand la vie de souillure est au milieu de nous, des jeunes gens qui regardent des films pornographiques, les mariés qui vont voir ailleurs, qu'est-ce qui nous arrive? Quand les élèves et les étudiants trichent comme tous les païens. Tango, ba élève, ba étudiant, ba komiko tricher le kola ba pagano nyos. Alors que vous écoutez la parole, na tango bozoka liloba. Mais vous faites circuler des petits papiers. Kasi bo komi na ba petit papier ba vous écrivez même sur votre bras. O komi na loboko. O tes chemises en manche longue. Oh, umbi, oh, là, chemise de ma boko milai. Mais ici à l'église, toi la sœur, tu t'amènes ici avec des habits à moitié bras ici. Mais pour l'interrogation, oh, là, blouse à ma boko milai, pour nani. Mais pour une interrogation, tu t'habilles, tu te vêtis en manche longue. Pourquoi? ACR. ACR. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Le Lotozawab. Quand vous voulez vous marier avec des Philistines. Des Moabites. Ba Moaba. Hein, sœur? Hein, de moi, si. Oh, il y a mingi, hein? Oh, il m'aime beaucoup, hein? Mais un païen. Quand c'est mon pagan. Oh, pasteur, il y a un zarané malam, hein? Pasteur, tu sais, ce garçon-là, il est bon. Le Branham, le frère Branham me dit, en aucun cas. Personne ne peut changer ça. Non, je veux entendre un amen. En aucun cas. Mais est-ce que nous croyons le prophète? Est-ce que ton dimagamo sakoli? Mais pourquoi vous voulez épouser ce païen-là? Pourquoi même tu poses la question? Oh, est-ce que je peux l'épouser? Oh, il y a du message, j'étais. Est-ce que tu ne connais pas le message? Des frères qui falsifient des factures. Bandeko, bazali ko balo la balo la facture. Pour gagner un peu plus. Pour avoir moi un bon rebelle. Total contre les hauts talents, basse et basse, voyons les hauts talents. Nous avons prêché contre les hauts talents et les serfs s'amènent avec des hauts talents. Samson, Samsona, tu es séduit par le monde. Les habits qui serrent le corps. Bilamba, ozako kanganzot. Des jupes avec des longues fentes. Bajipe pasukati likolo.
Et nous parlons en mal les uns des autres. Nous faisons des commentaires. Est-ce que nous aurons le courage de nous répentir? Après avoir écouté la parole, d'aller vers ta soeur, d'aller vers ton frère. Lui dire que je t'avais critiqué. J'ai parlé en mal de toi. Coton est facile, hein? Mais critiquer c'est facile. Mais quoi bon ça? Mais réparer. Potoye bayoke otun tu kara na moli monzo kando zaka no motongi. Nous devons nous repentir, sinon nous allons mourir sous le banc de l'église. Nous avons besoin de la vie des dieux. Et cela de la chair au dernier banc. Mais qu'est-ce qui arrive à ACR? Nous avons perdu la gloire de 93. Rigini des anges. Rigini à Bangelou. Nous ne jurons plus que par le puissant don de guérison que Dieu a donné à notre pasteur. C'est bien, Église. Cela fait notre fierté. Comme Église. Que notre pasteur est puissant. Il a un puissant don de guérison. Un don authentique. Likabo ya tembete ya solo. Et incontestable. Pe mota beta nango tembete. Voilà penda soki oboyango. Ça vraiment si tu le refuses. Ata diable ye moka ko kamwa yo penza. Même le diable lui-même sera très étonné. Akoloba en tout cas incrédule la bonga la ngai diable la mona. Il se dira lui-même, j'ai des incrédules mais celui-ci n'est pas digne de moi. Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème c'est toi. Yo le cola individu. Toi, comme individu. Pas la masse que nous sommes. Nous sommes une foule mélangée. Les gens viennent attirés par le don que le pasteur a. Il y en a qui viennent attirés par la RTVA. C'est pourquoi nous sommes nombreux comme ça. Galatina to de belé boyé. Là, comme le pasteur l'a toujours dit, je reconnais que la RTVA a fait un grand travail. Na ziebete RTVA est sali musala munene. Mais notre succès, kaselonga na biso, ce n'est pas ça. Yangote. Notre succès à nous, c'est la prédication de la parole. Est-ce que vous aimez le prophète? Aujourd'hui c'est dur, il faut serrer les ceintures. Paragraphe 13. Mais l'homme voulait ressembler, se comparer ou copier le monde. Dire les mêmes choses que le monde dit. Avoir du succès comme le monde. Jamais nous n'aurons du succès à faire quoi que cela comme le monde. Nous ne pouvons avoir du succès en suivant les lois de Dieu et sa façon de faire. Jamais nous n'y arriverons à nous modeler sur le monde. Si les compagnies de cigarettes ont eu un succès fou à cause de la télévision, ce qui ba compagnie ya ba makaya ba joué longa makasi pour la télévision, et que les groupes qui vendent de la bière et le whisky ont fait fureur par l'entremise de la télévision, pe ba tek ba toya masanga makasi ba whisky ba sali longa makasi ya somo na tina la télévision, ce n'est pas un signe
que l'église aura son succès par la télévision. Le succès de l'église réside dans la prédication de l'évangile, de la puissance des dieux et dans la démonstration de l'esprit. Est-ce que je peux tendre l'amen? Voilà notre succès. Nous ne pouvons pas affirmer que parce que la télévision a été utile à la compagnie de cigarettes la télévision est compagnie et aux autres compagnies, point 3, points de suspension. Et ma compagnie, Moussou, c'est belé. Nous n'avons pas un seul passage de l'écriture. Nous disons d'essayer de nous comparer à ces gens-là. Et tant que nous le ferons, nous attirerons peut-être les gens en grand nombre. Est-ce que vous êtes avec moi, église? En grand nombre. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a ordonné de faire. Nous pensons que parce que tout marche bien, que nous avons une grande organisation et que des grandes choses éclatantes arrivent, c'est un succès. La mort frappe journellement parmi nous. Spirituellement parlant. Et vous regardez seulement comment nous sommes nombreux. Nous sommes comme ça. Mais individuellement. Quasi moto na moto. Les gens meurent chaque jour. Si nous étions au nombre de 10 millions. Ce matin. Mais que le Saint-Esprit ne soit pas avec nous. Nous aurions avantage à n'être que 10 ici, mais avec le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que amen? Ça, c'est Branham. What is Branham? Voilà ce qui fait la différence entre nous et les dénominations. Eux ne se répentiront jamais. Mais nous, nous avons la parole. Nous avons la prédication. Nous, ce n'est pas la télévision pour la télévision. Non. Le frère Branham me dit, le diable a envoyé ses agents à la télévision. Diable a dit, basali na ye na télévision. Alors le Dieu du ciel aussi envoie ses serviteurs à la télévision, mais avec la prédication de la parole de l'heure. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut dire Maranatha? Nous, nous allons à la télévision avec la parole de l'heure. Un évangile de purification qui jette le monde hors de l'église. C'est dur, mais bien aimé. Mais c'est ça le message. Écoutez ce que quelqu'un a dit à Frère Branham. Au paragraphe 73. Quelqu'un s'en est pris à moi. Un ministre, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, Frère Branham, venez. Je voudrais vous imposer les mains. Il y a un agnoté la prophète Maboko. Mais qui est-il pour imposer les mains au prophète? Je veux t'imposer les mains. Il a dit, Alobi, sinon, so kite, vous allez détruire votre ministère. So kite, okoyako bebi sa musana no akote ya. Le frère Branham a dit, comment ça? Il m'a dit, Alobi, c'est à force de
Branham. La manière dont il prêche là. Une église séduite par le monde. Église, y'a moko et pengusa na mokini. To sepelite papa. Nous sommes pas contents, papa. To tielo ma boko. On doit t'imposer les mains. To suto lemba yo. Nous sommes fatigués, déjà fatigués de toi. Ceux qui Branham à côté, y'a koya na yote. Mais si Branham est aligné pour prêcher, ne viens pas. Koya te. Ne viens pas, toi. Il dit, Dieu vous a appelé pour prier pour les malades. Abi, yo mosalanza babenga ezali po bon de la bonne babeli. Le frère Branham lui a dit non. Le frère Branham lui a dit. Ce n'est pas seulement ça. Kaka yangote. Il dit, il m'a appelé. Abi, abenga ngai. Pour prêcher l'évangile. On a été à sang madame. Et il a dit à frère Branham, mais ce que vous êtes à boyer, tu vas détruire ton ministère. Ben le bilan de Branham, la manière dont tu prêches comme ça, au kobebi sa musala na yo. Côté le melabasi boy. Et tu te lèves contre les femmes. Il dit, soko tangi kuna, je suis pentecôtiste. Abi, soko tangi kuna, abi, naza pentecôtiste. Je crois, frère Branham. Nan dimande Branham. Que basi batia maquillage te. Que les femmes ne se maquillent pas. Balata pantalon te. Qui ne se mettent pas en pantalon. Basta la boyete. Qui ne fasse pas ceci. Mais tika bango quand même. Mais laisse-les un peu. J'ai dit. Nan la baki. Si prêcher comme je prêche là. Ce qui modèle on a la doter. Va détruire mon ministère. J'accepte. Nandimi. Il dit. Alobi. Tout ministère que la parole de Dieu peut détruire mérite d'être détruit. Mon salagnoso. Oyo lilo balandambe. Et tindite ebebisango. Ebebisa. Et le frère Branham lui a dit. Mais alors. Nabongo. Non, il dit ceci. Abibri. Tout ministère de la parole de Dieu peut détruire. Doit être détruit. Il a dit c'est vrai. Certainement. C'est exact. Alors il m'a dit. Et Talio, ça te regarde. Tu vas détruire ton ministère. Et le frère Branham répond. Mais alors. Bongo. Si moi je ne parle pas. Nani akolo. Qui d'autre parlera? Parce qu'il faut que quelqu'un le dise. Et c'est pourquoi moi racheté, je parle. Tinango, ngai racheté là, je parle. Parce que quelqu'un doit parler. Bon, mon Dieu, et il a plu au Seigneur qu'aujourd'hui je parle. Mais c'est pas ça qui colle le long à l'oba. Mais je parle. Il dit, vous voyez. Abi momoni. Il faut bien que quelqu'un le dise. Il faut bien que quelqu'un prenne position pour la vérité. Même si cela fait mal. Est-ce que le fils et la fille de mon père peuvent dire amen à cela? Alors mes bien-aimés, qu'est-ce qui ne va pas avec nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous ne supportons pas la correction? Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Quand Dieu nous corrige, nous devrions dire, oh merci Seigneur. Merci, Nkolo. Pardonne-moi Seigneur. Limbisanga Nkolo. Nous repentir. Tobongo na mitema. Paragraphe 138. Si j'aime encore le monde, ça me montre que je ne suis pas, il n'a pas terminé. Il dit, je ne suis qu'un membre d'église. Je n'étais pas un germe de Dieu. Je ne le suis pas. Et Dieu n'est pas mon père. 139. Si vous ne supportez pas la correction, c'est ce que vous recevez maintenant. Correction, c'est le prophète. Il dit alors vous êtes des enfants illégitimes. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Et son assemblée a crié, c'est vrai.
Amen. Amen. Les enfants de Dieu acceptent la correction. Et ils arrangent leur vie. Oui, mes bien-aimés. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Et te rendre libre. Mon colonel ne peut y retenir mon petit tolo le bingayo yo. Depuis Nandima, Dieu m'a délivré. Quel jour tu te mettras debout, te dire, mais voici, depuis que j'ai crié, Dieu m'a délivré. Kaka diable, quoi il s'accueille, kaka. Dieu est toujours condamné chaque jour par le diable. Même la Bible elle-même. Attends, Bible en gomoko. Dit que Satan, quand il a tenté Jésus, moi na Satan attendu à yaki comme mega Jésus. À un moment donné. Il avait laissé Jésus libre. Toi, tu n'as même pas un temps de liberté. Où tu peux te réjouir dans la parole. Jésus a détruit les œuvres du diable. Et nous qui perpétrons le ministère de Jésus, nous nous opposons au monde afin d'amener l'église à la nouvelle naissance, amener les gens à l'autel, pleurant pour leur vie, s'agenouillant en bavant. Écoutez le frère Branham. Dans la prédication, une église séduite par le monde. Je commence à atterrir, on va bientôt terminer. Na bandiko kita, kana mingi te toko silisa. On n'aime pas beaucoup les choses désagréables. Makambo ya pasi batwa ninga mingi te. Mais il dit ceci. Kasa lobi boye. Au paragraphe 26. Na de la tumu balena motoba. Ils ont peur de la nouvelle naissance. Bako banga mbota masika. Et j'ai parfois l'impression. Pe na kanisa kambala mingi. Que le Branham tabernacle. Et le samba Branham. Commence aussi à avoir peur de la nouvelle naissance. Bako miko banga pe mbota masika. Assemblée chrétienne de Rigini. Vous avez aussi peur de la nouvelle naissance. Parce que quand vous naissez de nouveau, quand on prêche la parole, vous naissez de nouveau. Vous venez à l'autel. Vous pleurez pour vos péchés. Mais vous avez peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Même cette sœur, là, l'ancienne qui a cru il y a longtemps. Comment vous avez noté les lots? Mais comment expliquer venir à l'hôtel aujourd'hui? Tu refuses la nouvelle naissance. C'est le frère Branham. Ce n'est pas moi. Ngaïté. Alors ACR. ACR. Vous avez peur de la nouvelle naissance? Quand vous voit venir à l'hôtel? Quand vous voit vous agenouiller là où vous êtes? Face contre terre? Face contre terre? Face contre terre? Quittez même le banc. Vous couchez par terre. Lélo, 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 lélo. Aujourd'hui. Dieu doit faire dans ma vie. Et paragraphe 30. De la tumisate. Un homme ou une femme. Mobali to moi si moko. Ne peuvent jamais avoir la nouvelle naissance. Bah, koki koto ambota masikate. Tant que leur intellectualisme. Tango nyoso. Imayele na bango. Et leur moi. N'ont pas pourri. Ceux qui n'ont pas pourri. Tant que cela n'est pas mort. Mourez à l'autel aujourd'hui. Je ne fais que lire le prophète. Criez. Devenez un gâchis. Jusqu'à ce que l'amidon sorte de votre col. Et que vous naissiez de nouveau par l'Esprit de Dieu. Peu importe si vous criez à tue-tête. Même si vous parlez à langue. Si vous commencez à sauter. À faire des bons comme un poulet auquel on vient de couper la tête. Vous êtes en train de produire une nouvelle vie. Mais nous y avons substitué quelque chose. Nous voulons la façon distinguée. Nous voulons être civilisés. Nous sommes devenus civilisés. Habitués à la parole. Que la parole ne nous touche même plus. Et aujourd'hui, paragraphe 48. Belle et
Ils ont même arrêté d'entrer de témoigner dans les rues. Depuis que tu es venu ici, est-ce que tu as déjà témoigné dans la rue? Nous, quand on a prêché ici à Kinshasa, dans des hôpitaux, nous avons prêché dans des bus, dans des deuils. Est-ce que toi, tu as déjà témoigné dans la rue? Le frère Branham dit, vous avez arrêté ça. Ils ont même retiré le tambourin de l'église. Il n'y a plus de chop-chop dans l'église. Ils ont enlevé toute la gloire de l'église. Et ils ont de la prédication de séminaire. Et leurs femmes portent des shorts. Et des robes dans lesquelles elles sont moulées. Et les hommes fument la cigarette. Si le nom d'un message, frère a mis la cigarette. Si jusqu'aujourd'hui, dans les messages, il y a un frère qui fume la cigarette. Babimeli a mis sa cigarette dans la poche, ici. Et quand il voit le frère sortir brusquement comme ça, il voulait cacher la cigarette dans la poche, avec le feu dans la poche. Le frère qui joue à l'argent. Bandeko, bako, beta, ba, j'ai un bon. En faisant des plaisanteries grossières. C'est une honte aux yeux de Dieu. Je sais que c'est violent ce que je dis. Même cette phrase-là, c'est le frère Branham qui dit ça, ce n'est pas moi. Il dit, je sais que c'est violent. Mais il est temps que quelqu'un dise quelque chose. Peu importe si je dois rester seul. Sans plus personne. Si ce n'est Dieu. Je prêcherai la vérité de la Bible de Dieu. Et je prendrai position pour elle. Quitte à mourir, je prendrai position pour la vérité. Certainement, nous voulons la vérité. Je ne veux pas me mesurer selon l'église, non. Mais je veux me mesurer d'après la parole de Dieu que je veux me mesurer. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Est-ce que vous êtes avec moi, église? Ça, c'était le paragraphe 49. Paragraphe 50. Mais Delila, parce que Delila, l'avez-vous remarqué? Est-ce que vous m'en avez dit? Elle savait que Samson possédait la puissance. Cependant, elle ne savait pas d'où lui venait cette puissance. Elle ne pouvait pas dire que c'était cette puissance. Mais Samson possédait une grande puissance. Et elle voulait en découvrir le secret. Et Delila s'est mise à faire la cour à Samson. Cherchant sans cesse à le séduire par sa beauté. Elle s'habillait de façon très sexy. Elle marchait devant lui. Andandina devant Samson. Avec ce petit rire affecté. Rire affecté. Na moi ko munga munga ya songe ya mino. Donc azo tambola wana azo frimé. Il dit comme aux certains jeunes adolescents aujourd'hui. Abilo lenge moko bilenge ya lelo basalaka. Shalom frère, ko la pambolo diacre.
Shalom, frère, que Dieu te bénisse bien. Azola les amis. Il vous fait dormir les yeux. Agissant un peu comme une stripteaseuse. Le frère Branham me dit pourquoi? Pour essayer d'envoûter Samson. Envoûter Samson. Et c'est ce que le monde a fait à l'église. Où est votre grande puissance maintenant? ACR. Où est votre grande puissance? 61. Où est notre puissance? Où est notre gloire? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nous avons recherché la sagesse des hommes plutôt que celle de Dieu. Il dit, on n'entend plus personne pousser un cri dans l'église. On n'entend plus jamais personne pleurer. C'est le paragraphe 61. Le banc de pénitence a été descendu au sous-sol. Il n'y a plus de gloire dans l'église. Tout ce que nous faisons, c'est de rester assis. Aussi raide que possible. Au cas où qui? Même si on prêche. Attaque au côté. On va dire la balle au cas où tu vas gagner la patex. Tu es assise, collé au banc. Civilisé. Moto, il y a le bico à Mikoloï. De toutes les façons, il y a quand même des gens qui doivent aller en enfer. Tu iras. Ata bongo, bato batanga bakota ni felo. Bazali kaka, c'est qu'il fait bazar. Il dit ready. Abi benda ou kauki. Avec les démons de modernisme. Namoli mabe ya makambo ya mikolo ya sika. C'est cela qui a lié l'église du Dieu vivant. Dala eloko ekangi eklezi ya nzambe na bomoi. Il dit c'est vrai. Abi za solo. Il n'y a plus de puissance dans l'église. Oui, dali sous tout est quand l'église ya. Alors que nous sommes nombreux. Nous devrions faire bouger Kinshasa. En 93, c'était grave. Dans toute la ville de Kinshasa, on connaissait l'Assemblée de Rigini. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Il n'y a plus de puissance dans l'église. Quelle est la première chose qu'ils ont faite? Lorsqu'ils l'ont attrapé, ils l'ont d'abord lié. Ils lui ont enlevé la puissance. Ils ont trouvé son secret. Le monde a découvert notre secret. Maintenant, vous femmes, vous coupez vos cheveux. C'est comme le monde. Et vous, hommes, vous commencez à agir comme le monde. Avec des plaisanteries grossières. Fumant des cigarettes. En sortant avec les épouses des voisins. Pour garder votre emploi. Oh, chef Moutaloba qui n'a pas de bima. C'est le chef qui nous a ordonné de sortir avec cette femme. Sinon pas, il va me licencier. Et tout le reste, de boire un petit verre, manger un peu et manger du pain sec et boire de... Non, écoutez. Et tout le reste, et boire un petit verre avec les autres, afin de garder son emploi. Je préférerais rester couché à plat ventre et manger du pain sec. Et boire de l'eau plate. Mais rester propre et pur devant Dieu. Kasi natika la peto. Pena bo peto nyoso liboso na nzambe. Plutôt que de faire des compromis pour avoir un quelconque bénéfice. C'est vrai. C'est juste. Restez fidèle à Dieu. Samson. Les Philistins sont sur toi.
Elio. Branham Tabernacle. Branham Tabernacle. La mondanité est entrée. Elle s'est introduite parmi vous. Et moi je dis ce matin, Assemblée chrétienne de Rigini, la mondanité est en train de s'introduire parmi vous. Qu'avez-vous fait? Avez-vous exposé votre secret? Avez-vous exposé ce secret que Dieu vous a donné? Lorsque vous rouliez par terre dans la sciure, il y a quelques années, c'est Branham qui le dit. L'avez-vous laissé? Vous échapper et remplacer cela par une adoration sociale et cérémonieuse. Je suis en train de terminer. Assemblée chrétienne de Rigini. Vous qui avez été appelé Assemblée Rigini des anges. Rigini des anges. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tellement habitué à la parole. C'est devenu notre habitude. Nous venons, nous entrons et puis nous sortons. Mais notre vie ne change pas. Vous aviez besoin d'un secousse. D'une secousse. Pour que vous puissiez vous réveiller. Jésus revient bientôt. Nous ne venons pas ici nous amuser. Nous ne venons pas ici passer le temps. Écoutez ce que le frère Branham dit. Au paragraphe 80. Mon seul espoir ce matin. Pour terminer mon message, c'est que pendant qu'il était en prison, lié, une nouvelle chevelure commençait à pousser. 81. Oh Dieu. Oh Nzambe. Envoie-nous une autre église juste avant la fin des temps. Une église telle que la puissance du Saint-Esprit puisse la pénétrer dans la démonstration de l'Esprit et que Marc 16 puisse accompagner l'église. Actes 2:4. Éphésiens. Acte 2:38. Que tout cela accompagne constamment l'Église. Pendant que nous sommes en prison, assurément, Dieu est en train de faire pousser une chevelure quelque part. Vous êtes avec moi, Église. Dieu est en train de faire pousser la chevelure quelque part. Mais je ne sais pas où. Mais quelque part ici. Même là dehors. Même là au fond là. Dieu est en train de faire pousser une chevelure. En vue de la dernière grande mise à mort. Puisses-tu, mon frère, être celui-là? Puisses-tu, mon frère, être celui dont la chevelure est en train de pousser? Ami chrétien, vous qui êtes ici ce matin, puissiez-vous être celui dont la force commence à augmenter? Yo, okoko zalate, oyo, nguya et aliko mata. Je prie que ce message ce matin, na bonne télité ou yatongo na lelo, puisse contribuer à fournir à votre système. Ekoka, kopesa, bi bongi seli nanzoto na yo. La vitamine qui produira à nouveau dans votre vie de la puissance spirituelle.
spirituelle. Vitamine. Vitamine amolimo. Est-ce que tu es là, celui dont la chevelure commence à pousser à nouveau? Est-ce que Dalio, Oyosuke Baniko Bota Lisusu? Pendant que j'appelle le pasteur Kalumbu pour prier. Si tu sens que ta chevelure commence à pousser, viens ici à l'hôtel. Le pasteur Kalumbu va prier pour vous. Si tu sens vraiment que Dieu doit faire quelque chose, l'hôtel est ouvert. Le pasteur Kalumbu priera. Pour que quelque chose se passe. C'est ça mon seul espoir ce matin. Vous pouvez même rester là où vous êtes. Agenouillez-vous là où vous êtes. Aujourd'hui, c'est la mise à mort. Qu'est-ce qui est arrivé à l'assemblée de Rigini? Nous pouvons même nous coucher par terre aujourd'hui. Oubliez votre costume. Oubliez votre jupe ou votre robe. Oubliez votre ensemble. Agenouillez-vous là où vous êtes. Dormez même par terre. Même vous qui êtes là dehors. Là très loin. Les Philistins sont sur toi. Mais les cheveux de Samson ont commencé à pousser. Écoutez ce que le frère Branham me dit. Dans l'église et sa condition. Paragraphe 131. Avant que le pasteur Kalumbu ne prie. Lorsque je devrais me tenir là tout seul. Et que mon pasteur. Mon frère, ma mère, mon père, ma femme, mon mari, mes enfants ne seront plus là. Oh Dieu, que vais-je alors faire, Seigneur? Cela peut m'arriver aujourd'hui, avant le coucher du soleil. Je vais cesser tous mes bavardages sur autrui. Je vais abandonner tout mon tempérament colérique. Je vais laisser de côté mes différends. Dépouille-moi, Seigneur. Je vais être tendu. Je désire que tout l'égoïsme parte. Enlève l'orgueil. L'indifférence. Ôte cela de moi. Abandonnez les plaisirs. Les réceptions. Les habits indécents. Les phares. Les rouges à lèvres. Rouge à lèvres. Les vernis à ongles. Bah, vernis à mandaka. Oh Dieu. Oh Nzambe. Aie pitié de moi. Yekelangamawa. Je ne supporte pas les autres. Je ne supporte pas les autres. Na ikela kabaninga pikote. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Nzambe limisangai. Priez. Bondela. Priez. Bondela. Parlez à Jésus-Christ. Lobela na Jésus-Christ. Une église séduite par le monde. Lingomba et Pengusami na Mokini. Puissiez-vous être celui-là? Tikete. Être celui-là. Dont la chevelure a commencé à pousser. Oyosuke bandikokola. Que Dieu nous fasse grâce. Zambe a sala bisongolo. Et que notre vie soit changée. Et que nous regardions à la parole. Que notre vie change. Vous qui êtes là dehors, est-ce que la parole de Dieu a aussi touché votre cœur? Croyez à la parole du pasteur, à la prière du pasteur. Pendant que le pasteur vient pour prier pour vous. Pasteur Kalumbu.
Pasteur Kanumbu. Que ma vie sonne, que tu sois renouvelé, oh Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que ma grâce et miséricorde, oh Jésus. Je viens à toi, Seigneur.
Continuez à prier dans vos maisons. Dengue, mon bon de la kina bandako na binu. Continuez à prier dans vos maisons. Bokoba, mon bon de la na andako na binu. Ne vous arrêtez pas seulement ici. Kosuka kaka awate. Jusqu'à ce que vous ayez la délivrance. La chose que vous a fait pleurer ce matin, allez jusqu'à à décrocher. Ne vous arrêtez pas à coup de route. Allez jusqu'à ce que vous soyez délivré totalement. Et le Seigneur vous l'accordera si réellement vous avez eu la révélation de ce qui vous a été dit. Si vous avez pleuré, s'il vous plaît, continuez à pleurer jusque dans votre maison. Après le culte, n'allez pas causer, converser avec les gens. Continuez à pleurer jusque chez vous. Si manosambo kokende kobeta masolo kosola na batote, koba kolela na lombio. Jusqu'à ce que vous soyez sûr que Dieu vous a accordé la chose. Kino oye banabola mwete nzambe amonisile eloko yango. Alors le mercredi, le vendredi prochain, le dimanche, nous reviendrons ici de nouvelles personnes. Bongo mokola misato, mokola mitano pe mokola lomingo zali koya. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père céleste, nous te remercions pour ton amour, ta bonté et ta miséricorde. Miséricorde pour chacun de nos pères. Depuis la chair jusqu'au pain. Aie pitié de nous, Seigneur. Pitié, Père bien-aimé. Et révèle à chacun de nous, Seigneur, ce que nous avons fait dans cette église pour que la Pentecôte puisse s'en aller. Chacun a une part de responsabilité, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux révéler cela à chacun, Père bien-aimé. Parce que tu nous aimes. Et nous croyons, Père bien-aimé, qu'en rapport avec les églises dénominationnelles, ce message, c'est une nouvelle force que tu as donnée à Samson, Seigneur. Il devait faire que sa chevelure puisse pousser et que la puissance de Dieu puisse agir, oh Dieu. Oh Père bien-aimé, oh Tata Moningami, merci pour l'assurance que tu nous as donnée. Merci pour les liens au petit biso. Que de ce message, il n'y aura pas de dénomination. Les hommes se comporteront mal. Les hommes agiront mal. Mais le message continuera à parler, Seigneur. Car les dénominations sont devenues dénominations. Quand la parole a cessé de parler au milieu d'eux, ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté l'évangile de Jésus-Christ. Christ. Nous croyons, Père bien-aimé, que tu continues à prêcher dans cette assemblée. Que la parole n'a pas été rejetée ici, oh Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous croyons, Père bien-aimé, qu'un jour, la force de Dieu se manifestera encore davantage. Oh bien-aimé Père, nous te remercions, Seigneur, pour le prophète que tu nous as envoyé, pour nous avoir prêché ce message de réveil, pour que nous puissions rester en réveil chaque jour de notre vie. Tout le monde
tout Seigneur. Oh Père bien-aimé. Oh Tata Moninga. Aide-nous Seigneur Jésus. Et surtout nous les prédicateurs. Nous qui prêchons le message. Que nous ayons cette vie, oh bien-aimé Père. Pour que nous puissions la communiquer aux autres Seigneur. Aide-nous Père bien-aimé. Seigneur Jésus. Si l'église du message est devenue ce qu'il est aujourd'hui. Avec des querelles et des disputes. Avec des jalousies. C'est à cause de nous, oh bien-aimé Père. C'est pourquoi nous te demandons pardon, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur Jésus, à revenir à la parole. Que nous puissions avoir l'amour dans nos cœurs. Pour aimer les autres. Qui prêchent ce message. Oh Père bien-aimé. Afin que le Saint-Esprit puisse avoir la possibilité de se mouvoir au milieu de nous, Seigneur. Oh, Père bien-aimé, aide ton peuple, Seigneur Jésus. Accorde l'entendement spirituel à chacun de tes enfants pour que chacun puisse entendre le cri de Dieu dans cet âge, Seigneur. Car il est écrit dans la parole et dans chaque âge, le cri de Dieu, c'est d'appeler le peuple à revenir à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Tu ne nous as pas appelés pour nous tuer, mais tu nous as appelés pour nous donner la vie. Et nous croyons que la parole donne la vie, Seigneur. Et que ce que nous avons entendu ce matin, c'est ta parole. Et cela donnera la vie à ceux qui l'ont reçu. Merci Père. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Seigneur notre Dieu, si nous vivons ici, c'est à cause de ta miséricorde et à cause de ta grâce. Ta grâce souveraine. Père bien-aimé, il n'y a que toi qui peut nous préparer. Il n'y a que toi qui peut nous purifier. Il n'y a que toi qui peut nous laver, Seigneur. Tu es allé nous ramasser dans les ténèbres du monde. Et tu nous as ramenés à la lumière de la parole. Oh Père bien-aimé, qui a notre responsabilité? C'est toi qui as notre responsabilité. C'est toi qui dois nous parfaire. C'est toi qui a dit que jamais ne reste cette église à la perfection. Que tu auras cette église sans tâche, ni ride, ni rien de simple. Nous nous venons à toi tel que nous sommes. Reçois-nous Seigneur. Oh Père bien-aimé, oh, Tata Moninga, avec nos saletés, na salité na biso, avec nos impuretés, na bo, bino na biso, et lave-nous dans le sang de l'agneau de Dieu. Pe, biso, kat, na, na, mwana, afin que ce matin, Père, bo, tina, tongo, na, no, tata, qu'il n'y ait personne mo, kote, mwana, na, qui sortira d'ici awa, ko, bima, awa, sans avoir passé par le sang de Dieu. Bo, zanga, li, kat, na, kila, na, Yesu. Qui purifie toutes nos iniquités, Seigneur. Oh, et peto, la, ka, ma, tume, oh na, Père bien-aimé, Tata Moninga, mi. Jette là le péché de chacun de nous bo, akali, suma, mongo, na, biso, dans ta mère de l'oubli. Oh Père bien-aimé, que tu ne puisses plus te souvenir de nos péchés. Oh Seigneur, oh, Kolo, touche le cœur de tes enfants. Si mba mote mamwana mokana, que chacun puisse mokana mokakoka, s'associer à la parole de Dieu. Ay, sangana na liloba nzambi, et marcher avec la parole. Be atambola na liloba. La parole de Dieu donne la vie, Seigneur. Liloba na nzambi pisa bomo ikolo. Est-ce que cette vie qui était dans la parole ce matin tikete lilobo moza na kata liloba na tongana lero puisse entrer à chacun. Pour tous les aspects de la vie, Seigneur. Que personne n'écoute à la place de l'autre. Nous croyons que chacun a écouté pour lui-même. Oui. Car chacun sera délivré personnellement. Oui. Seigneur Jésus. Jésus. Que toute personne qui a écouté ce message, comme venant de toi, oui. Non pas d'une personne. Et non pas d'une personne, qu'elle soit délivrée ce matin au nom du Seigneur Jésus. Et que toute personne qui s'est abandonnée à toi pour recevoir quelque chose, Seigneur, accorde-lui, Seigneur, selon le désir de son cœur. Père, nous ne voulons pas des illusions, des pensées,
Nous voulons la chose réelle. Nous voulons la délivrance totale. Une véritable délivrance. Délivrance à solo, qui vient par ton esprit et non pas par nos pensées ou par nos sentiments ou par nos émotions, mais quelque chose de réel, de palpable qui vient du Saint-Esprit afin que cette église soit bougée et qu'elle puisse devenir une véritable église du Dieu vivant manifestant Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternel. Bénis le vase que tu as utilisé. Bénis ton peuple. Bénis celui qui est venu pour la première fois. Oh Père bien-aimé. Oh Tata Moningami. Afin qu'il puisse recevoir la vie. Oh, et laisse que Père, à partir de ce matin, que tu puisses être devant cette église. Oh, et que tu puisses la conduire. Comme tu as conduit Israël. Jusqu'à entrer dans le pays des promesses. Accorde-nous cela, Père bien-aimé. Car nous te l'avons demandé, Père, au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.